Salut à tous, c'est Perona, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Last Day pour la deuxième partie du Bunker Alpha en Rush Arc. Alors attendez, j'ai été chercher quelques... voilà, alors j'ai refait des arcs. J'en ai refait trois. J'en ai un sur moi, ok, j'en ai refait trois. On va prendre une grosse arme. J'ai même été choper des petites armes, au cas où. On va faire ça comme ça, je pense. Vous savez quoi? Boum, comme ça. Là, hop. Hop. Je pense que ça va suffire tout ça, non? Déjà, j'ai 4, j'ai 5 arcs. Avec ça, je peux tuer que 4 gros monstres. Ok. Alors, c'est reparti. Ok. Alors, par contre, si je me trompe pas, je pense que j'avais oublié un coffre en haut. Et on va aussi tuer les 2-3 zombies que j'avais zappés. Voilà, il y avait un coffre ici. Ok, c'est celui-là. Allez, de la petite. Un petit peu d'aluminium. Putain, que dalle. C'est un truc de ouf. Je sais pas si vous vous rappelez de l'épisode 1. Le coffre qui est ici, il n'y avait rien. Dans celui-là, il n'y a rien. C'est vraiment un truc de ouf. Maintenant, dans les coffres, ils mettent plus rien. Alors, flotteur, flotteur. Dites-moi, les petits flotteurs. Est-ce que vous flottez ou est-ce que vous courez? Ok, vous courez. Bande de chétans, moi. Vous savez quoi? Boum! Allez. On va se faire à l'arc comme voilà, dans l'épisode 1. On va se faire uniquement ce qu'on peut, hein. Parce que là, ce serait un massacre total. Vraiment un massacre total. Et comme on ne peut pas les fuir, on va faire ça comme ça. Ok. Alors attendez, ça veut dire que je peux ouvrir. Et le petit coffre qu'on n'avait pas ouvert la dernière fois. Je pense qu'en ouvrant celui-là, ça attire les deux gros. J'aurais dû tester ça, tiens. J'aurais dû tester pour voir. Oh, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il n'y avait rien à voir. Ok, on va se faire cette petite salle-là. Alors comme je vous ai dit, on va se taper tous les monstres. Ok, vous savez quoi? Alors attendez. Est-ce que par hasard, je peux mettre un coup dans le dos à celui-là? Ben voilà, au moins ça fait un coup de gagné. Au moins. Par contre, à côté, j'ai vu un truc qui est pas ex... qui est vraiment chiant. Je vais être franc avec vous. Alors, attendez. Voilà, au moins on s'est tapé les deux. Par contre, les coupons, ce serait cool que ça apparaisse parce que là, c'est un peu la merde. Voilà, c'est ça. Alors vous savez quoi? On va pas faire comme la dernière fois. Je l'aggro, j'enlève 10 ou 20 de vie, et après on va le finir ensemble. Parce que sinon, on va encore mettre, c'est simple, la dernière fois j'ai calculé, j'ai mis plus de 3 minutes 30 à tuer un gros avec un arc. Ok, c'est parti. Mince. Ok, ça va être long. C'est mon pote, allez wesh, putain, je l'ai ramené jusqu'à là, et j'ai enlevé que ça de vie. C'est un truc de ouf. Ok, donc je vais le ramener là-bas encore une fois. Ok, alors j'ai vraiment eu de la chance parce que mon arc s'est cassé. Et comme j'ai fait automatique, hop, je recule, automatique, hop, comme un con, il a failli le tuer au corps à corps. Enfin, l'attaquer au corps à corps. Allez. Boum! Alors faut savoir que j'ai quand même niqué un arc entier, hein. J'ai quand même niqué un putain d'arc entier. Ouh, et ben c'était bien long, hein. Alors contrairement à la dernière fois, je vous ai épargné, voilà, toutes les flèches que je lui ai lancées, hein, parce que je pense que ça aurait été extrêmement long et chiant, comme la dernière fois. En fait, je savais pas que ça allait être aussi long. Donc là, je me suis dit, voilà, je le fais de mon côté, on le commence et on le finit ensemble. Mais on va pas le faire entièrement parce que sinon la vidéo va encore durer 3 heures et je ne vais même pas avancer. Mince, il y a énormément de choses à prendre. Alors ça, je me tape. On viendra récupérer de toute façon tout ça après. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Et enfin, enfin, on va voir ce que je voulais voir. Est-ce qu'on peut se taper la putain de tourelle? Alors, vous savez quoi? La tourelle, je l'ai en ligne de mire. Je vais faire ça. Oh my gosh. On peut se taper la tourelle à l'arc. Alors ça, je vais être franc avec vous. Je vous le conseille à 8000%.
au lieu de niquer une arme à feu, ça enlève quand même au moins, je sais pas, 20% de l'arme, utilisez un arc. Franchement, utilisez un arc. Voilà. Donc, avec un arc, on peut niquer une tourelle. Alors, vous savez quoi? Je vais vous épargner ça, hein, comme le grand. Ok, petit récapitulatif, faut pas un arc pour une tourelle, mais faut, je pense, deux arcs pour une tourelle. Parce que là, je vais entamer mon deuxième arc. Et ça consomme, ça consomme. Hein. Allez, 18, 14. 18, 14, 4. Ah, par contre, il fait beaucoup, beaucoup moins de dégâts. Il fait 4 de dégâts, alors que normalement, l'arc fait entre 8 et 20. Ah oui, d'accord. Allez, comme la tourelle, à mon avis, elle est en acier, je pense que ça doit être pour ça. Ouais, on s'en tape. Le coffre! Avant, je me faisais pas chier à ouvrir ce coffre-là. Je passais tout le temps. Comme on n'est pas obligé de se taper la tourelle. Oh bah voilà! Un petit coupon rouge, ça c'est cool. J'ai pas de coupon jaune. Ok, alors ça on va le laisser. Alors c'est parti pour la suite. Et alors attendez, qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'il y a ici? Ok, vous savez quoi? On va pas se faire chier. Enfin, on va pas s'embêter. Hein, en restant poli. On va se taper celui-là. Oh là là, la faille de malade que je viens de me taper là. Oh là là. Ah oui, ok, d'accord. Le gros, il m'a cramé. Ça a tout niqué, quoi. Direct. Allez, allez. Ok, le gros, il est mort. Alors, me tape pas une autre faille, s'il te plaît. Ouh, ok. Alors, attendez, vous savez quoi? On va se mettre là, comme ça. Sans. Comme eux, ils courent. On va aussi se les taper au corps à corps, comme ça. Voilà. Sinon, ça va être un massacre. Hein. Ça va être un massacre. Ok. On va ramasser un coupon rouge. Ça, c'est cool. Un coupon vert. Ça, c'est cool. C'est tout? C'est déjà moins cool. Ok, qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, wow. Mais pourquoi vous courez, wesh? Ils peuvent pas faire des gros lents. En plus des gros géants, là. Moi, je sais pas. Moi, je pensais qu'il y avait des gros qui étaient lents. Je me rappelle plus. Allez, vas-y. Ok, nickel. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Est-ce que c'était intéressant ou pas? Est-ce que c'était intéressant ou pas? Allez, un petit truc intéressant. Un petit. Trois coupons rouges. Une bouteille d'eau. Les bâtards. Une bouteille d'eau. Ok. C'est pas grave. Ici, normalement, il y a absolument. Mordeur rapide. Ah mince. Pourquoi vous courez, wesh? C'est pas grave. On va se les taper comme ça en deux speed. Là, il y a un coffre. On peut l'ouvrir. Allez, un petit truc intéressant. Allez. Une fois, s'il te plaît. Ouais, ok. Ici, il n'y a que dalle. Ici, il n'y a que dalle. Ok. Alors là, on va remettre l'arc. Parce que si je me trompe pas. Oh, non, on va faire un truc en deux speed. Regardez, l'avantage de ce bunker-là, c'est ça. Regardez, on fait ça, ça, ça. On active, et voilà. Boum. Et voilà. C'est activé. On a fini. Enfin, on a fini. On a au moins débloqué la dernière porte. Alors attendez, qu'est-ce que c'est? Ah putain, c'est un gros enragé. Vous savez quoi? On va rentrer dans la dernière salle. Ok, je suis dans la dernière salle. J'ai pas tué le gros. Alors en fait, c'est pas un gros enragé l'autre. C'est le même que. Ouais, vous voyez, en haut là. Voilà, c'est le même en fait. Par contre, ça me fait chier. J'ai presque plus d'armes. Ouais. Alors attendez, on va attendre qu'il passe. On va attendre qu'il passe quand même, histoire de dire qu'il vienne pas nous aggro. Alors normalement, il ne va pas y avoir de soucis avec tous les soins que j'ai. Il ne va pas y avoir de soucis. Ok, c'est parti. Par contre, il faut se tenir prêt à changer d'arme. Ah, pour une fois, il n'a pas changé de cible. Vous savez, d'habitude, quand il y a deux monstres, au moment où il arrive vers la fin, il change de cible. Mais là, pour une fois, il n'a pas changé de cible. Impressionnant. Allez. Allez, tu peux le faire. Nickel. Wesh mon pote, je suis là. Tu viens? On va prendre du en même temps. Hein. Allez. Comme ça, les trois, ils vont mourir dans la dernière salle. Alors, le panneau stop. Interdit, sens interdit, pardon. Franchement, je le trouve super. Le seul détail, c'est qu'il est lent. Mais sinon, je le trouve vraiment super. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah bah enfin, j'ai un coupon orange.
Ok, vert, rouge, tac. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit coffre final? Enfin, final. Avant, c'était le coffre final. Maintenant, non. Intéressant ou pas? Maintenant, c'est vraiment les coupons. Il faut vraiment prendre uniquement les coupons. Non, c'est ça en fait. C'est vraiment coupons, 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 coupons. Parce que le reste, c'est vraiment pas utile, quoi. C'est. Ouais, c'est vraiment pas utile. Alors attendez, on va se taper tout ça en deux. Alors normalement ils sont. Ouh. 20 dégâts, 32 dégâts. Il n'y a que ça normalement, il n'y a pas de géant, il n'y a rien. Allez, on en one shot 1. Oh, il y a un géant. Merde. Ok, allez-y. 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 Par contre, il faudrait que tu spies. Ah, j'ai plus d'équipement! Voilà, là, 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 vous êtes sérieux là? Ah, ça se voit que c'est la fin du bunker, hein? Putain, j'ai plus rien. Ok, vous savez quoi? Je me tape le géant. Et on se retrouve tout de suite. Et ben, vous savez quoi? On dirait que là, j'ai pas bougé, mais je viens de faire un tour complet de la map. Complet, vraiment complet. Ok, et après avoir fait pratiquement un tour et demi de la map. Oh, j'ai cru qu'il allait y avoir un bug et qu'il allait me buter. Dieu merci, non. Ok, alors on retourne en bas en deux speed. Ok, alors ici il y a un géant. Un géant, on va pas se le faire, hein, quand même. Ici, ok. Wow! Ah, il a pas mal à ouvrir ici. Alors est-ce que ça vaut le coup ou pas? Il y a quand même 3, hein. Ouais, ok, d'accord, pourquoi pas. Ensuite. D'accord, ok. Et. Allez, un truc intéressant, stop. Allez, un coupon vert. Allez, un truc au moins. Ah, ça va, ça va. À part ça qu'on peut rejeter. Non, ça va. Ok, alors là. Est-ce que vous voyez sur la map le petit pic rouge au bout de mon pic? D'ailleurs, à travers la porte, on voit le géant enragé. C'est-à-dire que là, j'ouvre la porte. Je pense même que si je colle la porte, c'est terminé pour moi. Je vais être avec vous. Alors là, il y a un souci. Vous allez me dire, tu es dans la merde. Et je vais être franc avec vous, je suis dans une merde pour une bonne raison. C'est que je peux tuer encore un géant enragé, qu'il en reste deux. Il en reste 3 même. En fait, il reste 3 géants enragés. Voilà, il en reste 2 ici, un là derrière la porte. Et il en reste un juste là. Je vais être franc avec vous, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein? En tout cas, on aura activé. Tant qu'on aura activé, on aura fait le principal. On aura activé et on aura atteint la dernière salle. Même si je pense que maintenant, la dernière salle. Enfin, celle qui doit être considérée comme la dernière salle, je pense que ça doit plus être elle. À mon avis, hein, je sais pas. Hein. Franchement, je sais pas. Mais je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, bah voilà. Donc, bunker alpha avec l'arc. Ça vaut pas le coup. Ça vaut extrêmement pas le coup. Par contre, rappelez-vous bien. Enfin, moi, personnellement, maintenant, je sais ce que je vais faire. Pour tout ce qui est tourelle, les armes à feu, je les mets de côté et je sors un arc. Enfin, un arc ennemi. Exactement pour une tourelle qui a 250 de vie. Donc, bah voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Peace!